y a que moi qui n'ai pas fait le con, parce que moi, ici. Alors, 76 sur 36, 5e. C'est moi, mon plan. Attention. Alors, c'est la fin de la 5e semaine. Ouais. Quel est le bilan que tu peux faire sur le tournage et ton expérience à toi ? C'était une bonne épreuve, quand même. Une bonne épreuve à plein de niveaux. Bah, notamment le fait de tout tourner de nuit. C'était un bon défi à la lumière. Recréer les ambiances de jour, de nuit. Tourner les scènes de jour, de nuit, alors qu'on n'est pas en studio, qu'on est dans des fois des appartements au 5e étage, devoir recréer des rayons de soleil, ne pas avoir forcément l'espace. On a eu quelques problèmes avec les nacelles, vu que le plan de travail changeait. Donc des fois, pour avoir les nacelles qu'on voulait, ça a été compliqué, on a dû rebondir, mais on y est toujours arrivé. Hein. Et la Maison des Français, on termine une semaine et demie dedans. Ouais. C'était un bon décor pour toi, lui. Ouais, la Maison des Français, ouais, c'était un des plus beaux décors pour moi. Bah, déjà parce que j'avais l'espace pour bosser, c'était quelque chose qu'on avait bien repéré à la base. Donc non, ça n'a pas été celui qui m'a posé le plus de problèmes. Et puis voilà, ce qu'on a fait dedans est assez cool quand même. Et ta plus grande fierté sur le film ? Ma plus grande fierté sur ce film ? Oulala, je suis tellement fier de tout. Non, j'en sais rien. Je pourrais pas te dire. J'attends de voir le montage final pour te dire ça. On tourne pas la scène du vernissage. On tourne pas le vernissage ? On tourne en avril, donc je suis pas dispo en plus en avril. Une aventure incroyable, ça c'est sûr, une équipe au top, une histoire formidable. Voilà, beaucoup de complications aussi, un tournage pas facile, un tournage de nuit. Et voilà, il reste plus que les fonds verts. Effectivement, on est au bout. Écoute, ça a été physique, sportif, mais fabuleux. Je veux dire que je suis vraiment secondé par une équipe formidable. Donc l'équipe de Jean-Christophe Spadassini, en l'occurrence donc Sylvie Ferry et Milan Jancic, qui sont vraiment hyper présents, hyper pros, et voilà, qui font partie vraiment intégrante de la créature. Quand la créature se meurt, en fait, ils sont là, ils sont à droite, à gauche, derrière. On les voit pas, mais ils sont très 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 présents. Et en fait, les difficultés, ben, c'est eux qui aident vraiment à les résoudre à tout moment. Yvan sort de là. Oh allez, allez, tu peux me retourner, mec. Maquille, moi je suis bon. Et bah dans cet état, on peut pas faire. Maquille, moi je suis bon là. Je veux pas maquiller, je veux maquiller. On fasse tout seul, moi ici. C'est moi la produit, hein. Hein, quoi? Voilà, comme ça, j'ai plus pour. Je suis chaud, bouillard. Fabrice! Je suis prêt à tourner. Oh, tourner, j'ai besoin de tourner. Là, je veux tourner. Je suis prêt pour mon chat. Oh, y'a personne. C'est vous, j'ai le chariot, bordel, je suis prêt. Qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu fous là? Y'a personne ou quoi? Merde. Je suis prêt à tourner, allez. Il est où, t'es là? T'as là. Je suis prêt. Tactique. Viens ici, fais-moi tourner, mon frère. Je suis un acteur. Moi, je tourne quand je veux. Alors, on tourne, bordel de merde. Vous savez pas ce que c'est que de se sacrifier pour l'art. Et encore, c'était de la pure. Je veux plus le voir. Je veux plus le voir. Fais-moi tourner. Je suis sous bouillant là. Fais-moi tourner, allez. Fais-moi tourner. Je veux tourner, bordel. Trois.